Donc j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le fall tag, donc le tag de l'automne. Donc on le voit chaque année puisque chaque année tout le monde le refait. Moi pareil, je le refais puisque je l'ai déjà fait l'an passé et là je vous le refais puisque j'ai de nouveaux produits à vous montrer. J'ai changé une question, il me semble, ouais, j'ai changé une question puisque je n'avais pas du tout de réponse, à cette question. Du coup, je l'ai remplacée par une autre. Donc voilà, je l'ai remplacée. Donc il y a 10 questions et je vais commencer maintenant. Donc première question, ta bougie préférée. Donc ma bougie préférée en ce moment, donc celle que je fais brûler tous les soirs, c'est une bougie de chez Charou que j'ai reçue en partenariat. Je vous en reparlerai prochainement. Mais elle se présente comme ceci, donc comme les petits pots de confiture. Donc j'ai choisi tarte au citron et elle sent juste merveilleusement bon. Comme vous savez, j'adore le citron. Et elle sent super bon, elle diffuse super bien, donc un petit peu moins forte que les autres. Puisque celles-ci ne sont moins toxiques que les Yankee Candle, que les Party Light, que tout ce que vous voulez. Vu qu'elles ont l'abréviation RAL, donc qui est moins nocif pour la santé et pour l'environnement. De toute façon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard de cette bougie. Mais en tout cas, en ce moment, c'est la bougie que j'adore. Elle parfume très très bien la pièce, donc très très bien mon salon. Ensuite, j'ai d'autres bougies, puisque vous savez que je suis une grande collectionneuse de bougies. Donc j'ai d'autres bougies comme les Party Light. Et au niveau des Party Light, mes bougies préférées, je pense que c'est ceux dans la collection des fruits défendus. Donc comme la figue diabolique, mandarine mutine, il y a mûre. Il y en a d'autres, je sais plus trop, mais en tout cas elles font partie de mes favorites, mais en ce moment c'est celle-ci que je fais brûler et je l'adore. Donc deuxième question, ton rouge à lèvres préféré. Donc moi ce n'est pas un rouge à lèvres, c'est un crayon à lèvres, donc de la marque Pastello. Donc je vous l'ai présenté dans ma vidéo make-up automnale, donc c'est la vidéo juste avant celle-ci pour celle que ça intéresse. Et donc il s'agit d'un Pastello, les Pastello vous pouvez les retrouver sur le site de Make-up Minéral. Depuis le temps que je vous en parle, je pense que vous les connaissez, Donc là, il s'agit d'un bordeaux qui tire un petit peu vers le marron. Mais je trouve qu'il va très bien à cette saison. Je trouve qu'il rappelle très bien cette saison. Et voilà, c'est mon préféré. Voilà, et je l'aime beaucoup. Ils sont, les crayons pastello sont vraiment très très bien et je vous les conseille beaucoup. Troisième question, ton vernis préféré. Donc mon vernis préféré, comme vous avez pu voir, je les ai mis dans les étagères. Et mon vernis préféré, en fait j'ai pas trop de vernis préféré, c'est surtout cette colonne là qui va du beige marron vers les verts kaki, les verts plus clairs, les bleus pastels, les bleus foncés et les noirs. Après au niveau des vernis préférés de l'automne, je vais plus choisir un kaki. Donc par exemple celui-ci de chez Kiko, c'est le 348. Je vais plus me tourner vers les kakis, les beiges, les camels. Mais ouais, pour l'automne, je pense que ça sera plus un kaki ou un bordeaux. Après, c'est vrai que j'ai pas trop de vernis favoris. Je tourne beaucoup au niveau de l'automne. C'est vrai, comme je vous ai dit, des rouges, des prunes, des bordeaux, des noirs, des kakis, des bleus foncés. Voilà, je vais... Ça va vraiment changer et changer au niveau de comment je suis habillée quand même. Donc voilà, j'ai pas trop de vernis préféré, ça tourne beaucoup. Ensuite, ton vêtement préféré. Donc comme vous savez, je suis une grande fan de vestes, donc c'était obligé pour moi de vous montrer une veste. Donc ma veste favorite pour cet automne, donc elle est chez Bershka. Je ne sais pas du tout si elle y est encore, puisque je l'ai achetée au mois d'août, au mois de septembre, ou tout septembre. C'est un des deux, je l'ai acheté en mois d'août ou septembre. Donc c'est une veste couleur prune bordeaux. Hein. Et elle est juste magnifique, vous la verrez portée dans le lookbook qui va arriver prochainement. Donc elle a des franges. Et donc du coup on peut pas du tout la fermer, elle tombe comme ça sur le devant. Pareil, au niveau des manches, vous avez les pampilles. Dans le dos aussi, elle est vraiment très très belle. Hein. Je vais vous montrer les chaussures qui vont avec parce que c'est la prochaine question. Ouais, c'est la prochaine question. Et voilà, de toute façon vous allez la retrouver dans mon lookbook d'automne puisque là ce week-end il fait beau donc je peux tourner mon lookbook. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de vous montrer les petites tenues que j'ai sélectionnées. Et voilà, mais c'est vraiment la veste que j'adore en ce moment et que je porte un petit peu
un petit peu toutes les semaines, même si j'aime bien changer. Donc, cinquième question, ton accessoire de mode préféré. Donc, pour moi, mon accessoire de mode préféré, c'est les bagues, les colliers, les bracelets. Voilà, là j'ai une montre. Ma montre Michael Kors, c'est ma bague Zara. Mais ouais, mon accessoire de mode préféré, que ça soit pour automne, été, hiver, printemps, tout ce que vous voulez, c'est les bijoux, hein, le collier, la bague, le bracelet, les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, je peux pas ne pas sortir sans boucles d'oreilles. Donc voilà, ça reste mes accessoires de mode préféré. Après, perso, là, pour l'automne, j'ai pas un accessoire préféré plus que d'autres, puisque voilà, ça dépend des tenues que je vais mettre, ça dépend de tout. Donc non, ça reste... Voilà, je mets tout, j'ai pas de préférence pour l'automne. Voilà. Ensuite, sixième question, donc c'est la question que j'ai changée et que je vais mettre ta paire de chaussures préférée pour l'automne. Donc c'est une paire de chaussures que j'ai reçue il y a pas si longtemps que ça, je vais vous en montrer qu'une parce que ça sert à rien de vous montrer les deux, c'est exactement les mêmes. Que j'ai reçue de la part du site Zone d'achat et que je suis tombée amoureuse et que je mets avec la veste que je vous ai montrée donc juste avant. Donc il s'agit des petites bottes. Donc c'est la paire de chaussures que je trouve juste magnifique, qui est juste super bien faite. J'étais très agréablement surprise quand j'ai reçu leur produit. Donc elle va vraiment bien avec la veste que je vous ai montrée juste avant. Donc vous les verrez aussi portées dans le lookbook. Donc elles sont juste magnifiques. Et c'est vraiment la couleur que je préfère cet automne de toute façon. Ensuite, septième question, tes séries préférées pendant cette saison ? Alors j'ai pas de série préférée, j'aime beaucoup en ce moment Profilage ou Ma Famille Formidable. Voilà, c'est pas très original mais c'est les seules que je regarde en ce moment. Huitième question, ton plat favori, donc ça va être plutôt tout ce qui est gratin, donc je fais des gratins dauphinois, ce qui est plus basique, et je fais des gratins mexicains, donc voilà, ça va être mes plats favoris. Du moment, puisque l'hiver je fais plus tout ce qui est tartiflette, raclette, tout ça, donc là non, c'est plus les gratins, les plats, les bons plats chauds. Neuvième question, ton parfum préféré. Donc mon parfum en ce moment préféré, c'est celui-ci dont le packaging est juste super beau, donc c'est le bonbon de chez Victor & Rolf. Il m'en reste pas beaucoup, je suis juste trop triste de le terminer, mais ouais, je le rachèterai de toute façon puisque pour moi voilà, la bouteille est juste magnifique et le parfum sent juste super bon. Donc voilà, c'est mon parfum favori du moment et je vous le conseille à tous. Il sent super bon. Allez voir en magasin, je suis sûre que vous n'allez pas être déçus et que vous allez me dire « Ah oui, il sent super bon, je le veux !» Donc dixième et dernière question, c'est ton geste beauté favori. Donc pendant l'automne, ou que ce soit automne ou hiver de toute façon, mon geste beauté favori, je pense que c'est prendre un bon bain avec soit des billes d'huile ou soit une bombe de chez Lush ou un cube effervescent, tout ce que vous voulez. Et de sortir de ma baignoire, de m'hydrater le corps, de m'hydrater les pieds, de mettre mes petites chaussettes pilou-pilou, de mettre ma petite robe de chambre et de me caler bien au chaud avec ma petite tasse de chocolat chaud devant ma télé. Voilà, je pense que automne-hiver c'est mon geste, c'est mon rituel beauté préféré. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce petit tag vous a plu. Moi je vous retrouve dès mardi pour le 1er décembre pour mon défi. Je vous en reparlerai un petit peu plus au mois de décembre. En attendant mardi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mardi. Bisous.